Exode, chapitre 10. Et le Seigneur dit à Moïse, Va vers Pharaon, car j'ai endurci son cœur et le cœur de ses serviteurs, afin que je puisse montrer mes signes devant lui, et afin que tu puisses raconter aux oreilles de ton fils et aux fils de ton fils, les choses que j'ai exécutées en Égypte et les signes que j'ai faits au milieu d'eux, afin que vous puissiez savoir que je suis le Seigneur. Et Moïse et Aaron allèrent vers Pharaon, et lui dirent, Ainsi dit le Seigneur Dieu des Hébreux, jusqu'à quand refuseras-tu de t'humilier devant moi Laisse aller mon peuple, afin qu'il puisse me servir. Sinon, si tu refuses de laisser aller mon peuple, voici, demain j'amènerai des locustes dans tes territoires, et elles devront couvrir la surface de la terre si bien que l'on ne pourra voir la terre, et elles doivent manger le résidu de ce qui est échappé, lequel vous est laissé par la grêle, et elles doivent manger tout arbre qui pousse dans vos champs, et elles doivent remplir tes maisons, et les maisons de tous tes serviteurs, et les maisons de tous les Égyptiens, ce que ni tes pères ni les pères de tes pères n'ont vu, depuis le jour qu'ils furent sur la terre jusqu'à ce jour. Et il se tourna et sortit de chez Pharaon. Et les serviteurs de Pharaon lui dirent, ⁇ Jusqu'à quand cet homme doit-il être un piège pour nous ?⁇ Laisse les hommes aller, afin qu'ils puissent servir le Seigneur leur Dieu, ne sais-tu pas encore que l'Égypte est détruite ?⁇ Et Moïse et Aaron furent amenés à nouveau à Pharaon, et il leur dit, ⁇ Allez, servez le Seigneur votre Dieu, mais qui sont ceux qui iront et Moïse dit, Nous irons avec nos jeunes et nos personnes âgées, avec nos fils et avec nos filles, nous irons avec nos troupeaux de moutons et de bœufs, car nous devons célébrer une fête au Seigneur. Et il leur dit, Que le Seigneur soit ainsi avec vous, comme je vais vous laisser aller, et vos petits enfants, attendez-le, car le mal est devant vous. Pas ainsi, allez maintenant vous qui êtes hommes, et servez le Seigneur, car c'est ce que vous désirez. Et ils furent chassés de la présence de Pharaon. Et le Seigneur dit à Moïse Étends ta main sur le pays d'Égypte pour les locustes, afin qu'elles puissent monter sur le pays d'Égypte, et mangent tout l'herbage du pays, c'est-à-dire tout ce que la grêle a laissé. Et Moïse étendit son bâton sur le pays d'Égypte, et le Seigneur amena un vent d'Est sur le pays toute cette journée et toute cette nuit-là, et lorsque le matin arriva, le vent d'Est apporta les locustes. Et les locustes montèrent sur tout le pays d'Égypte et se posèrent dans tous les territoires de l'Égypte. Elles étaient très atroces, avant elles il n'y avait pas eu de telles locustes comme celles-ci, et il ne doit pas y en avoir de semblables après elles, car elles couvrirent la surface de la terre entière, si bien que le pays fut assombri, et elles mangèrent tout l'herbage du pays et tous les fruits des arbres que la grêle avait laissés, et il ne resta rien de vert dans les arbres, ni d'herbage dans les champs, à travers tout le pays d'Égypte. Alors Pharaon se hâta d'appeler Moïse et Aaron et dit, J'ai péché contre le Seigneur votre Dieu et contre vous. Maintenant donc pardonne, je te prie, mon péché, pour cette fois seulement, et sollicitez le Seigneur votre Dieu, afin qu'il puisse retirer de moi seulement cette mort. Et il sortit de chez Pharaon et sollicita le Seigneur. Et le Seigneur tourna un puissant vent d'ouest, lequel enleva les locustes et les jeta dans la mer rouge, il ne resta pas une seule locuste dans tous les territoires d'Égypte. Mais le Seigneur endurcit le cœur de Pharaon, si bien qu'il ne voulut pas laisser aller les enfants d'Israël. Et le Seigneur dit à Moïse, Étends ta main vers le ciel, afin qu'il puisse y avoir obscurité sur le pays d'Égypte, une telle obscurité laquelle puisse être palpée. Et Moïse étendit sa main vers le ciel, et il y eut une épaisse obscurité dans tout le pays d'Égypte pendant trois jours, on ne se voyait pas l'un l'autre, nul ne se leva de son lieu pendant trois jours, mais tous les enfants d'Israël avaient de la lumière dans leur demeure. Et Pharaon appela Moïse et dit, Allez, servez le Seigneur, seulement que vos troupeaux de moutons et de bœufs demeurent, que vos petits enfants aillent aussi avec vous. Et Moïse dit, tu dois nous donner aussi les sacrifices et les offrandes consumées, afin que nous puissions sacrifier au Seigneur notre Dieu. Notre bétail aussi doit aller avec nous, il ne doit pas rester un sabot, car nous devons en prendre pour servir le Seigneur notre Dieu, et nous ne savons pas avec quoi nous devons servir le Seigneur, jusqu'à ce que nous soyons arrivés là. Mais le Seigneur endurcit le cœur de Pharaon et il ne voulut pas les laisser aller. Et Pharaon lui dit, Retire-toi de moi. Prends garde à toi, de ne plus voir ma face, car en ce jour-là où tu dois voir ma face, tu mourras. Et Moïse dit, Tu as bien parlé, je ne reverrai plus ta face.